Seigneur, tu es le Seigneur de gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes, tendre Père. Merci pour cette soirée encore que nous avons choisi de passer dans ta présence. Merci d'étendre ta main de grâce, de bénir nos vies, de glorifier ton nom au milieu de nous, de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous revenons à toi, tendre Père, en toute humilité, pour déclarer encore, Seigneur notre Dieu, tu es celui qui nous donne la vie. Merci pour la vie que tu nous accordes. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour, Les pour ta choses grâce, pour ta terminées, fidélité, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, l'heure de Seigneur, pour ton retour, amour. Alléluia. je viens simplement. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Porter mon nom au front, Alléluia, car je le désire, car Seigneur, je le désire, de réjouir réjouir ton ton cœur. cœur. Je T'importe plus qu'un beau chant, chanter chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Le chant terminé, les rideaux retombent, je viens simplement porter mon offrande. Car je le Merci, désire Seigneur. de réjouir ton Alléluia. cœur. Je t'importe plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur, la louange, toute centrée sur toi, centrée sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants, toute centrée sur toi. Centré sur toi, Jésus, je reviens au cœur de la louange. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus, et je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es pour son moment blindé. Bien que faible et mort, je te revêtu en toute ma vie. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Alléluia. Bien que faible, merci Seigneur, je te revêtu en toute ma vie. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes de mon cœur. Je reviens. Je reviens au cœur de la louange, toute
centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants. Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci grand roi de l'univers. Nous allons élever nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour sa grâce. Nous allons lui dire merci encore ce soir pour sa présence, pour son amour et pour sa fidélité. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci d'étendre ta main de grâce sur nos vies et sur nos familles. Merci de manifester ta gloire dans nos vies éternelles, Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire dans chaque détail, dans chaque aspect de nos vies. Nous t'élèvons à la plus haute place et nous te bénissons, Seigneur. Merci de bénir ton peuple, de bénir nos familles respectives, de bénir nos vies, de nous fortifier à demeurer toujours fidèles à toi, Seigneur, de nous aider à demeurer fermes dans ta présence, de nous aider, tendre, à tenir fermes au nom puissant, tenir ferme et inébranlable pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, maman Blandine, maman Janine, que Dieu vous bénisse, maman Sandrine, vous, que Dieu vous bénisse, maman Nibanza, soyez bénis, alléluia, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Bénis et sanctifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole et en même temps prier. C'est tout ce qui nous reste, bien-aimés. Prenons garde à la convoitise pour entrer dans le repos des dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons garde à la convoitise. Bien-aimés, Dieu nous a gardé, bien-aimés dans le Seigneur. La meilleure des choses que nous devrions avoir, n'est-ce pas, bien-aimés, c'est le repos des dieux. Le repos des dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a destinés, n'est-ce pas, bien-aimés, à son repos à lui. Il veut que, bien-aimés, nous puissions demeurer dans son repos à lui. Son repos, je dis bien, son repos à lui. À lui. Le repos des hommes. Excusez. Le repos des dieux. Prenons garde à la convoitise pour entrer dans le repos des dieux. Mais ça, c'est l'inspiration, n'est-ce pas, vient de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul qui, dans l'exhortation aux chrétiens de Corinthe, alors qu'il était dans cet enseignement bien-aimé dans l'océan qu'il donnait aux Corinthiens, eh bien, à cause de la vie qu'ils étaient en train de mener, de la manière dont ils jouissaient de leur liberté en étant chrétiens. C'est vrai, parmi les chrétiens de Corinthe, il y avait des juifs, hein, chrétiens, et des païens, des Corinthiens qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens aussi. Donc, il y avait des juifs et des païens. Ils se sont convertis, sont devenus chrétiens. Mais leur vie, bien aimée dans le Seigneur, ils utilisaient très mal la liberté qu'ils avaient en Christ. Et il y en a qui vivaient dans une vie complètement dissolue. Et l'apôtre Paul, bien aimé, devait recadrer les choses. C'est ainsi qu'il a, bien aimé dans le Seigneur, il leur a donné l'enseignement, bien-aimés, et en même temps les exhortant à s'engager, à faire très attention, sinon ils risquent de connaître ce qui était arrivé aux Juifs dans le désert, dans leur pérégrination dans le désert. Ce qui leur était arrivé, dit, ça risque de vous arriver aussi. Vous usez mal de votre liberté. Voyez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Or, il leur avait déjà parlé avant. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il leur avait déjà parlé avant. Lorsque nous lisons, bien-aimés, dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, il leur a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tu peux tout faire avec ton corps. Tu peux tout faire avec ton argent. Est-ce là est utile? Est-ce là est avantageux pour toi d'abord, pour ta santé,
pour ta moralité. Et cela plaît à Dieu. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous sommes appelés à faire très attention dans notre manière de vivre notre vie chrétienne. Donc, nous reviendrons à l'apôtre Paul. Il parlait, bien aimé, aux Corinthiens. Il leur a dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée, dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous devez limiter le texte ici, bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, bien aimé? Que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. L'apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur, il prend un contre-exemple. Il dit, mais faites attention. Je vais vous montrer ce qui est arrivé à nos pères. Donc, il faisait là, il parlait, n'est-ce pas, bien-aimé, lui-même, en tant que juif. Je vais montrer ce qui leur est arrivé. Je vais vous rappeler, n'est-ce pas, qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur pérégrination dans le désert. Ils ont été bénis. Ils avaient bénéficié, n'est-ce pas, de tout le bienfait de Dieu. Ils ont reçu les bénédictions de Dieu. La direction, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient sous la direction des dieux. La nuée était au-dessus d'eux, le couvrait, le protégeait. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle, n'est-ce pas, trop de chaleur dans le désert, trop de froid, non. La journée, ils bénéficiaient de l'ombre, ils étaient protégés. La nuit aussi, ils bénéficiaient, n'est-ce pas, de cette chaleur, parce que c'était la colonne de feu. Parfois, dans le désert, il fait frais aussi. Donc, ils bénéficiaient de cette protection des dieux. Et en même temps, ils ont bénéficié de la direction des dieux. Ils les guidaient, ils les conduisaient. Et ils les protégeaient contre toute forme de danger. Dans le désert, bien dans l'océan, il y a beaucoup de dangers. Mais ils étaient protégés par Dieu. Ils savaient par où le conduire pour qu'ils ne connaissent pas toute forme de danger. Et en même temps, bien-aimé, il le rappelle. Mais en même temps, bien-aimé, dans le Seigneur, il dit, le peuple, bien-aimé, s'est identifié à Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Le peuple, bien-aimé, s'était identifié en Moïse. Moïse qui les conduisait, bien sûr. Comme nous, aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, nous nous identifions à Christ. Lorsque nous nous baptisons, n'est-ce pas, bien-aimé, nous nous identifions à Christ. Nous suivons Christ et nous identifions à lui. C'est pourquoi, n'est-ce pas, qu'ils étaient baptisés à Moïse. Ils s'identifiaient à Moïse. Moïse qui les conduisait, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ils les suivaient en même temps. Ils obéissaient à tout ce que Moïse leur disait. Ils ont mangé, bien aimé, une nourriture. Tous les 6 jours, ils avaient, n'est-ce pas, de la manne. Le 6e jour, bien aimé, ils en bénéficiaient la double portion. Pendant toute la traversée du désert, ils ne manquaient pas à manger, bien aimé, dans le Seigneur. Mais malgré cela, bien aimé, dans le Seigneur, malgré tous les bienfaits de Dieu, ils n'ont pas été reconnaissants envers Dieu. Malgré tous les bienfaits de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur, ils se sont révoltés contre Dieu par leur convoitise, leur murmure. Ils ont tenté Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils se sont laissés entraîner dans l'idolâtrie, bien-aimé, dans le Seigneur, à adorer les fausses divinités. Ils se sont entraînés, bien-aimé, dans la débauche.
Ils se sont révoltés en parlant contre Moïse et contre Aaron. Et ils se sont lancés dans les murmures, dans les accusations, les fausses accusations. Ils ont accusé faussement Aaron et Moïse. Alors prêtant, bien aimé, des fausses, n'est-ce pas, bien aimé, de fausses intentions. Des fausses accusations. Et la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette génération, n'est-ce pas, on trouve que Josué et Caleb, bien aimé dans le Seigneur, de tous ceux, bien aimé dans le Seigneur, de tous les adultes qui ont quitté le pays d'Égypte, seuls Josué et Caleb sont entrés dans le pays promis. Est-ce que vous vous imaginez, mais plus de 6 millions de personnes, d'adultes apparemment, mais il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans le... Vous voyez, quelle sévérité des dieux. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Nous avons comme l'impression que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est un Père Noël. Dieu n'est pas un Père Noël qui distribue le bonbon, bien aimé. C'est un Dieu, il reste toujours sévère. C'est un Dieu dévorant, c'est un feu dévorant. Il est un Père aimant, il est un Père aimant, mais il est un Père aussi sévère. Parfois, aujourd'hui, nous croyons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, tout ce que nous pouvons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où je fais ce que je veux, avec, je fais ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Le libertinage. Et on a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé, les bienfaits de Dieu peuvent être un piège pour nous. Dieu peut te faire du bien, mais cela peut être un piège pour toi. Bien-aimé, les bénédictions de Dieu, n'est-ce pas, peuvent être un danger pour toi. Seigneur, bénis, Seigneur, donne, mais ça peut être un danger pour toi. Il faut savoir comment en user, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'on peut en abuser pour faire n'importe quoi. On peut en abuser pour faire du n'importe quoi. On peut en abuser pour se comporter n'importe comment. On peut en abuser même pour se révolter contre Dieu lui-même. On peut en abuser pour, n'est-ce pas, se révolter contre les autorités, n'est-ce pas, que Dieu a établies pour votre instruction, pour votre éducation spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons à ce que Dieu nous bénisse, mais nous devons chercher à comprendre ce que Dieu peut nous donner comme bénédiction peut être un danger pour nous. Voilà pourquoi nous avons besoin, n'est-ce pas, bien-aimés, d'une véritable une discipline personnelle. De la rigueur dans sa vie. Les gens vont te traiter de tous les noms, mais tu dois avoir une rigueur personnelle dans ta vie. Il y a des choses, tu dois être, bien-aimés, intraitable. Clairement dit, ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas comprendre comment, bien-aimés, certaines personnes, voilà, oh, Dieu nous a bénis, Dieu m'a donné un mariage, voilà, j'ai trouvé un homme, j'ai trouvé un mari, c'est bien, et puis le jour de la fête, c'est la musique païenne et mondaine, chantant même des insanités. C'est votre manière, n'est-ce pas, bien-aimés? Vous avez bien commencé, mais vous terminez mal. En souillant Dieu, en souillant même votre mariage, vous terminez mal. Vous avez commencé avec Dieu tous les débuts. Vous avez prié, vous avez été dans les enseignements avec votre pasteur, il vous a enseigné, vous avez été là, vous avez prié avec lui. Tout est réglé jusque-là. Et vous avez été sincère et honnête. Priez avec le pasteur, vous priez les enseignements, tout ça, tout a été correct. Et puis le jour de la fête, tout à l'église, tout a été parfait. Vous avez même pleuré, l'enseignement vous a tout changé. Mais après, bien aimé dans le Seigneur, on quitte maintenant l'église, on arrive à la salle, ça commence bien parce que là, peut-être les pasteurs sont là, les diacres sont là, ça commence bien, alors les gens se réjouissent, musique chrétienne, on danse, on joue, on est heureux. On est en train de bénir Dieu, c'est lui qui nous a, on dit la bénédiction nuptiale, c'est Dieu qui nous a bénis. La bénédiction de l'Éternel enrichit, il l'a fait sur d'aucun chacun. On est heureux, on est content. Et après un moment, peut-être les pasteurs parlent, les diacres sont partis, maintenant on reste. Allez, maintenant c'est... Satan maintenant vient, nous t'invitons maintenant, c'est l'état maintenant, les mauvais désirs. Maintenant c'est là, la chair maintenant, bien aimé dans le Seigneur. C'est le charnel.
Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est comme ça avec les enfants d'Israël. Alléluia. C'est comme ça avec les enfants d'Israël. Cet épisode, bien-aimés, dont il est en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, au niveau, au verset 6, ça dit, « Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire quoi? C'est dans l'épisode, bien-aimés dans le Seigneur, du Sinaï, à Kadesh Barnea, il devait quitter le Sinaï, moins de 300 mètres à peu près. Dans cette station-là, n'est-ce pas, du Sinaï jusqu'à Kadesh Barnea, cette marche-là, bien-aimé, il y a eu beaucoup de stations, c'est vrai. Se sont arrêtés plusieurs fois, c'est pratiquement environ 250 kilomètres. 250 kilomètres. Dans ce tronçon-là, comment se sont-ils comportés? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de ail. Nous nous souvenons des danses dans le monde qui ne nous coûtaient rien. Parce que dans le monde, quand tu dois danser, tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite. Au fait, c'est les repêcher, la chair t'entraîne sur la piste. Je regarde parfois, j'ai le plaisir parfois, je m'amuse parfois à regarder certaines fêtes mondaines ou païennes. Et tu vois bien dans l'océan, enfin, excusez-moi, quand on dit mondaine ou païenne, ce n'est pas nécessairement. Il y a des fêtes chrétiennes mais qui peuvent être mondaines et païennes. Hein. Donc, peu importe, il y en a même qui peuvent être à connotation chrétienne, mais bien ils sont païens. Donc, ça ne veut rien dire jusque-là. Donc, bref, ouais, des personnes responsables, des vieilles dames, bien dans l'océan, 70 ans, 60 ans, par là, 50 ans par là, bien dans l'océan. Mais c'est très moussant, danser des danses sales. Vous voyez, bien-aimé, c'est des danses sales, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais tu te poses la question, cette femme-là, avec des enfants, la manière dont elle danse, si ses propres enfants, les garçons sont là, regardant leur mère en train de danser de cette manière, qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Nous souvenons, n'est-ce pas? Et parfois même, c'est des chrétiens entre guillemets. Diaconesse, diacre responsable, des chrétiens d'entrée, ou des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, depuis qu'on est devenu chrétien, c'est seulement Zamba Ponio. Ah, non, non, non. Nous, nous voulons que ça change. T'es tel musicien de l'or. Laisse nous Zamba. C'est le même thème, Zamba Ponio. Le même thème. Dieu, Jésus, Jésus. Non, non, non. Nous voulons d'autres thèmes, hein. Là, on chante le corps d'une femme. Là, on chante les oreilles. Là, on chante le monde. Là, on chante les démons. Là, on chante le cimetière. Là, on chante, je ne sais pas. Donc, voilà. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Bien-aimés dans le Seigneur, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la main. Vous imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent mépriser ce que Dieu leur a donné. Combien de chrétiens ne méprisent-ils pas ce que Dieu leur a offert comme bénédiction? Ils en cherchent, n'est-ce pas, autre chose qu'ils étaient habitués. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Ouais, le péché ne nous coûte rien pour le mettre en pratique. Les péchés ne nous coûtent rien. Mais la parole de Dieu pour le mettre en pratique, oh, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Mais les péchés ne nous coûtent rien. Vous allez voir, les péchés ne nous coûtent rien. Mais quelqu'un pour pécher, c'est facile. Mentir, c'est facile. C'est facile dans le monde. Mais quand tu es chrétien, bien-aimé, quand tu mens, ta conscience est en train, n'est-ce pas, de te tourmenter. Tu n'es plus à l'aise, tu n'es pas du tout à l'aise. Ça t'écoute. Tu n'es pas à l'aise. Bien-aimé dans le Seigneur, la convoitise. La convoitise, bien-aimé dans le Seigneur. Ils sont revenus, bien-aimé dans le Seigneur, à ceux qui les... Ce qu'ils mangeaient autrefois en Égypte, mais ils les mangeaient à quel prix? Ils mangeaient ces choses à quel prix? Le poisson que nous mangeons en Égypte, qui ne nous coûtait rien. Mais ils étaient sous le joug, hein?
Et ils s'en sont plaints plus d'une fois. Mais ils s'en rappellent. Combien de gens disent pas, oui, dans le monde, j'étais bien. Il n'y avait pas de problème. Dans l'église, tel problème avec tel. C'est pas, je préfère être dans le monde. Mais c'est pas, voilà, mais c'est ça l'être humain. La convoitise du monde. Le mauvais désir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle on parle de désir, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Désir, désir ardent. C'est un besoin impérieux, n'est-ce pas, le désir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette envie d'obtenir, cette envie d'avoir quelque chose. Cette envie d'obtenir. L'envie d'avoir quelque chose. Il dit, mais c'est ça le désir, au fait. Allez, il dit bien. Corinthiens 10, le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Quand on entend parler de mauvais désirs, il y a, bien sûr, on peut avoir, pas nécessairement que tous les désirs sont mauvais. Tu peux avoir, n'est-ce pas, tu as l'appétit de manger, de désirer de manger quelque part, c'est normal. En grec, orexis. Orexis, convoitise, appétit. C'est normal, mais non, c'est appétit, convoitise, le mauvais désir. C'est pourquoi je parle bien la convoitise. Un Jean, la convoitise de le Seigneur. La convoitise. Les désirs, les mauvais désirs de posséder une chose. Alléluia. Les mauvais désirs, bien aimé, de posséder une chose. Et c'est dangereux, n'est-ce pas, l'autre? Quand on tombe dans la convoitise, c'est très dangereux. Et Satan peut pousser les gens à la convoitise. Satan peut pousser les gens à la convoitise. Mais Satan peut pousser les gens à la convoitise. Le monde, bien aimé, peut provoquer la convoitise. La chair aussi, bien aimé, peut provoquer la convoitise. Alléluia. Ah oui, bienvenue dans le Seigneur. Il peut bien provoquer la convoitise. La chair. Mais faisons attention avec la chair, bienvenue dans le Seigneur. Faisons attention avec la chair. Faisons attention avec le monde. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, nous risquons de rater notre canard à cause de la convoitise. Le désir, bien aimé dans le Seigneur, dont on parle, le mauvais désir, n'est-ce pas, mais c'est la convoitise. L'envie d'obtenir, d'avoir quelque chose. Parfois, quel qu'en soit le prix, d'avoir quelque chose, quel qu'en soit le prix, ce qui n'est pas du tout bon, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est même dangereux. Donc, il y a un travail, bien aimé, qui doit se faire. En nous et avec nous. Je dis bien, il y a un travail qui doit se faire en nous et avec nous.
pour lutter, bien aimé, contre la convoitise. Parce que ce désir immodéré, ce mauvais désir de posséder une chose, bien aimé dans le Seigneur, peut nous détruire. L'amour des choses de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, plus que même Dieu, alléluia, aimer les choses de ce monde, bien aimé, plus que Dieu lui-même. C'est ça en fait de la convoitise. Aimer les choses de ce monde plus que Dieu lui-même. Bien-aimés, ils étaient, n'est-ce pas, bien-aimés, la présence de Dieu était là. Dieu le protégeait. La colonne, bien-aimés, dans le ciel. La colonne de nuée pendant le jour. Dieu le protégeait. La colonne de feu pendant la nuit. La protection de Dieu était là. Et Dieu le guidait. Mais l'envie, n'est-ce pas, bien-aimés, dans le Seigneur. La convoitise, n'est-ce pas, de posséder, bien aimé dans le Seigneur, de revenir sur les choses qu'ils avaient laissées en Égypte. Si vous lisez, bien dans le Seigneur, ils étaient entraînés. Bien aimé, dans cette affaire, ils étaient entraînés. Regardez bien, le verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Les ramassis, ce sont les Égyptiens. Fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer, à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Vous voyez, n'est-ce pas? Plus rien. Vous savez, bien évidemment, le Seigneur, à un moment, quand on est vraiment possédé d'envie, n'est-ce pas, bien aimé, on va mépriser même le peu qu'on a. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec la convoitise. Ils étaient entraînés. C'est pourquoi bien-aimés, nous devons faire attention avec les mauvaises compagnies. La plupart des gens les retournent dans les bonnes, bien-aimés, parce qu'ils ont une mauvaise... Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais attention aux gens que tu traînes avec. Ils peuvent t'entraîner dans la convoitise. Généralement, bien, nous convoitons, c'est parce que nous entendons en gauche. Ou moi, j'ai eu ça. Hein. Ah, vraiment, c'est bon. J'ai eu ça. Ah oui, moi aussi, je veux. Parfois, bien-aimés, on s'endette pour rien. Parfois, on s'endette pour rien. À cause de la convoitise, que quelqu'un t'a entraîné à la convoitise. En vantant une chose qui n'est pas, bien-aimés, qui n'est pas utile pour toi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Le ramassis des gens qui se trouvent au milieu d'Israël. Fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer à dire, et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Les ramassis. Donc ils ont oublié, c'était, oh, nous allons, Dieu est là, Dieu est là. Et puis, ah, mais, c'est vrai, mais la manne ici, mais c'est compliqué, hein, on aurait aimé, mais c'est comme ça venait dans l'océan qui, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Allez! Leur protestation, mais dans le Seigneur, allez. Ils se sont exprimés, mais dans le Seigneur. À cause de quoi, bien aimé dans le Seigneur? Les gens, fais attention aux gens que tu traînes avec. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas ami. Il y a des relations, n'est-ce pas, bien aimé? Vous vous rencontrez, n'est-ce pas, bien aimé? Peut-être dans un bus. Le matin, quand vous allez au travail, vous êtes dans le même bus. Ah, bonjour, bonjour, vous allez bien. Ouais. Vous descendez au même arrêt, vous descendez. Mais tu ne dois pas en faire une amie. Tu ne dois pas en faire un ami à qui tu commences maintenant à dire tes problèmes. Ou la personne commence à te dire, voilà, j'ai fait ça. Écoute seulement et puis limite-toi là. N'en fais pas un ami. Nous avons parfois une mauvaise habitude d'en dire, ouais, tout le monde devient ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Fais attention de faire tout le monde ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Parce que l'ami aime en tout temps, même en temps de malheur, il se montre un frère, il se montre une soeur. Moi, c'est pas quelqu'un que vous rencontrez dans le bus, vous parlez un peu directement, oh, c'est mon ami. Oh, c'est vrai. L'ami en quoi, bien aimé dans le Seigneur?
Fais attention, mais certaines amitiés peuvent t'entraîner, n'est-ce pas, mais dans des tourments, dans des convoitises inutiles, dans des désirs immodérés. Certaines amitiés peuvent t'entraîner dans des désirs immodérés, peuvent te pousser, mais à t'endetter à gauche, à droite, à vouloir, avoir, à vouloir posséder, mais dans le Seigneur. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, le danger, n'est-ce pas, que la plupart, nombreux chrétiens courent ces dangers, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous courons le danger, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, de vouloir posséder les choses, même des choses qui ne sont pas utiles. Et avec ça, bien aimé dans le Seigneur, nous risquons de ne pas avoir le repos. Tu n'as pas de paix. Parce qu'à chaque instant, tu vas dire, oh, oh, on a dit que oh, telle robe-là, je vais la posséder, je vais la posséder. Tu l'as, et puis tu t'es endetté. Tu n'as pas payé ton loyer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu vas aller t'endetter, porter une robe de 800 euros, de 1000 euros. Le loyer, tu n'as pas payé. Ou je vais, de toute façon, je vais expliquer au bailleur, je vais lui payer même l'autre mois qui va venir, je vais m'arranger, je vais lui donner les deux mois directement. Or, tu ne sais pas que tu as d'autres crédits en cours. Et puis tu commences à fuir les bailleurs. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de repos. Tu commences à fuir chez toi. Tu commences à retourner très tard. À cause de quoi, bien dans le Seigneur? Les mauvais désirs, la convoitise. Mauvais désirs, bien dans le Seigneur. Convoitise. Tu as été entraîné, bien dans le Seigneur, malheureusement. Tu commences à fuir les bailleurs. Même à l'église, tu commences à ne pas aller à l'église parce que tu dois à quelqu'un. Parce que tu voulais, n'est-ce pas, cette fête-là, tu t'es absolument aussi à t'habiller et tu vas aller prendre une robe qui coûte 600 euros, 800 euros, 1000 euros même, des chaussures qui vous coûtent 200 euros. C'est, je vais m'habiller assez, il faut qu'on me voie. Tu vois, toi, tu es comme quelqu'un qui venait voir mon épouse un jour, une fois, il dit, mais toi, tu es maman pasteur. Ça, c'est les chaussures de vous, les mamans pasteurs. Et il lui a dit, non. Non, non, je ne suis pas là-dedans. Oh non, mais dis non, je ne suis pas là-dedans. Je m'habille simplement. Je peux avoir une chaussure de 3 euros, de 4 euros, tant que ça me va. C'est le plus important pour moi. Je m'entraîne pas. Oh, ça, c'est les histoires de maman. Maman pasteur, elle est au ciel. Et puis quand elle va prendre, elle ne te donne pas de l'argent. Les femmes des pasteurs. Et vous aussi, les femmes des pasteurs, tu dois à quelqu'un de. Ouais, les mêmes, fais attention avec la. Les gens peuvent t'entraîner, bien aimé dans le Seigneur. Oh, tu vois. Comme toi, tel que toi, tu es là. Comme toi, tu es la marraine à cette fête-là. Tu dois vraiment. Hein, c'est pourquoi cette robe, ça te va. Vraiment, mais essaye un peu. Oh, franchement, c'est beau, c'est joli. Ben, c'est 500 euros. Hein. De toute façon, tu peux me donner maintenant 300. Et puis, oh, et pourtant, mais il a acheté cette robe-là, 50 euros. Tu lui donnes 300. Il a déjà gagné 6 fois plus. Et les 200, là, au lieu même de te laisser avec les 200, mais elle va te mettre mal à l'aise pour que tu lui donnes les 200 qui restent. Et toi-même, tu te rendras compte que non, tu n'auras pas de paix. Tu n'as pas de repos. Tu commences même à fuir les cultes. Au lieu de venir à l'église, tu ne sais pas venir parce qu'on va te demander, n'est-ce pas, là, la dette de quelqu'un. Quand tu vas aller à l'église, tu penses, mais la dette, je dois à telle personne. Oh là 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 là. Tu restes. Tu n'as pas le repos. Tu n'as pas de repos, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas tranquille. Mauvais désir, bien-aimé dans le Seigneur. Le ramassis des gens qui s'est trop milieu d'eux fut saisi des convoitises. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer, à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Bien-aimé, faisons attention. Nous avons livré autour de nous. Nous n'allons pas changer le monde. Nous n'allons pas changer le Seigneur. Il a dit clairement, laissez les blés et livrez, croître ensemble. Nous avons livré autour de nous. Fais attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne te laisse pas entraîner dans la convoitise. Ne te laisse pas entraîner par des désirs immodérés. Fais attention avec la chair. Le monde. Satan peut entraîner la convoitise. La chair, bien-aimé, peut nous entraîner à la convoitise. Le monde peut nous entraîner à la convoitise. Regardez. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez pas le monde. Bien-aimé, fais attention. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Mais pourquoi nous ne voulons pas le système de ces mondes? Je veux une père, une maman. Excusez-moi vraiment. C'est une maman d'un certain âge. Habillée avec le jeans ici, donc c'est déchiré au niveau des cuisses, au niveau des genoux. Je ne suis pas contre, hein, je ne suis pas contre la mode. Mais une maman, tu vas nous montrer ta cuisse avec une jean déchirée. Mais c'est une maman. La mode. La mode. De même devant tes enfants, elle a des petits-enfants, même devant tes petits-enfants, et mamie, mamie est à la page, hein, et la cuisse, du monde, la cuisse, c'est déchiré au niveau de la, même, au niveau même, derrière ici, mais dans le Seigneur. Derrière la cuisse ici, je ne sais pas, on appelle, je ne sais pas si on appelle quoi. Un trou là derrière. Donc pratiquement, bien aimé, presque, en dessous de la fesse, excusez-moi le terme. Une mamie. C'est pas possible, bien aimé, dans le Seigneur. À la mode. Mais non. Bien aimé. Je critique pas, mais bon. S'il y a des limites, bien aimé, il y a des limites. Parce qu'on veut être à la mode. La convoitise, le monde. On veut vivre comme tout le monde. On veut être à la page, le monde. Mais qui est en train de dicter, bien aimé, cette manière de s'habiller? Qui dicte ça? Il y a une manière standard. Avez-vous déjà vu la reine d'Angleterre s'habiller comme ça? Allez-y dans les cours royales si vous allez voir les gens. Donc, il y a une manière standard. Ça, il y a la dignité. Il y a le sang de l'honneur. On doit respecter même dans le Seigneur la couronne. Donc, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. On ne peut pas parler n'importe comment. On ne peut pas dans le Seigneur manger n'importe comment, manger n'importe où. Parce qu'il faut préserver la couronne. Mais le monde ne nous enseigne-t-il pas, bien-aimé dans le Seigneur? Mais pourquoi nous voulons vivre comme le monde? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. On a dit les choses qui sont dans le monde. Les enfants d'Israël, ils ont aimé les choses qui étaient en Égypte. Concombre, melon, poisson. Oh là là, on préfère encore retourner là-bas. Ils refusent la manne qui leur a été proposée par Dieu, venant du ciel, préparée par Dieu lui-même. Ils trouvent que ça en est de trop. Oh là là, tout le temps, tout à la même chose. Oh là là. Voilà, mais certains gars, tout le temps, aller à l'église, retourner à l'église, il y a une fête, on est là, la parole de Dieu, ben non, non, de temps en temps, tu vois, tu es encore jeune, tu dois vivre, hein, de temps, sautons un peu là dans la boîte de nuit. Ça ne change rien, tu es chrétien, tu es chrétienne. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien, tout, est-ce que vous voyez là, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur. La convoitise de la chair et la convoitise du monde. Le monde. Mais le monde peut entraîner, n'est-ce pas, à la convoitise. Les choses qui sont dans le monde. Je vais aussi m'habiller comme tout le monde. Je vais faire aussi comme tout le monde. Nos jeunes ici. Je vais avoir un petit copain. Je vais avoir une petite copine. Ah, je vais avoir un concubin. Hein, bon, tu vois pas, on ne sait jamais parce que bon, il peut te marier demain. Bon, vivons un peu parce qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est un concubin. Non, mais c'est le monde. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les relations sexuelles sont réservées dans un cadre marital. Marital. C'est aussi cru, mais c'est vrai. Dans un monde de bisounours. Oh, non. C'est réservé dans un cadre marital. Bien-aimé dans le Seigneur. La convoitise du monde. Je vais faire aussi comme les autres. Comme l'autre a un petit copain, comme l'autre a un concubin. Moi aussi, bon, on le sait, bon, parce que peut-être qu'il va m'épouser, hein, parce que j'ai 28 ans, parce qu'on ne sait jamais. Bon, on travaille avec, on s'est rencontré une fois, ben, dans le bus, on voit le gentil, ben, on travaille avec. Bon, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, parce que bon. Il vient me voir dans mon appartement. Bon, fais attention à la convoitise du monde. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis à Dieu, je me garde pour toi. Si aujourd'hui je n'ai pas de mari, Seigneur, au moins toi,
Tu vas étancher, n'est-ce pas? Tu vas me donner tous ces dons que je veux pour avoir, n'est-ce pas, la paix dans mon corps, la paix dans mon âme, la paix dans mon être tout entier. Le plus important, c'est le ciel. Ce n'est pas la terre. Le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je ne veux pas, n'est-ce pas, rater, n'est-ce pas, le paradis, rater la vie éternelle pour les besoins, pour les plaisirs passagers, les plaisirs éphémères. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention avec la chair. Le monde. Ah. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois sur le convoitise de notre chair. Nous étions de leur nombre. Mais n'oublions pas que nous étions de leur nom comme les enfants d'Égypte. Ils étaient aussi en Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont vécu, bien-aimés, comme les Égyptiens. C'est pourquoi ils ont voulu retourner. Nous étions de leur nom selon le convoitise de notre chair. Nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Accomplissant, bien-aimés dans le Seigneur, les volontés de la chair et de nos pensées. Les convoitises de notre chair. Nous vivions selon le convoitise de notre... Fais attention à la chair. Bien aimé, les démons, tu peux les chasser au nom de Jésus, ils vont partir. Mais la chair, tu ne la chasseras pas. Parce que la chair traîne avec nous. La chair, si tu ne la crucifies pas, c'est compliqué. Tu dois la crucifier. Et la crucifixion, bien aimé, dans le Seigneur, ah oui, c'est douloureux. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. La chair a des désirs. Alléluia. Ils ont eu quoi? Ils ont eu des mauvais désirs. Et la Bible libérée, la chair a des désirs. Alléluia. Galates 5, dans le Seigneur. La chair a des désirs. Tout comme nous autres aussi, bien-aimés, nous avons des désirs. La chair a des désirs. Alléluia. Galates 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les mauvais désirs peuvent nous empêcher, bien-aimés dans le Seigneur, d'hériter, n'est-ce pas, bien-aimés, nos promesses, d'entrer dans le repos de Dieu. Faisons attention aux mauvais désirs. La chair a des désirs contraires, n'est-ce pas, à ceux de l'esprit. Bien-aimés, faisons attention aux mauvais désirs. Vous voyez, n'est-ce pas? Le monde peut nous entraîner, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, à la convoitise. La chair aussi, bien-aimés, peut nous entraîner, bien-aimés dans le Seigneur, à la convoitise. La chair. Bien sûr. Satan, n'en parlons pas. Satan, bien-aimé dans le Seigneur, n'en parlons pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous assure. Satan, c'est le spécialiste, bien-aimé dans le Seigneur. Entraîner les gens, bien-aimé dans la convoitise. C'est le spécialiste, bien-aimé dans le Seigneur. Satan, le diable. Le spécialiste a entraîné les gens dans la convoitise. Alléluia. Regardez, n'est-ce pas? Jean 8, le verset 44. Satan, c'est le spécialiste, n'est-ce pas, qui entraîne les gens dans la convoitise. Jean 8, le verset 44. Il disait autrefois,
Mais nous pouvons manquer le repos. Hein. Je vous assure que nous pouvons manquer le repos à cause de la convoitise. Vous avez votre salaire. Au lieu d'utiliser votre salaire comme il le faut, mais vous, la fin du mois, au lieu de payer d'abord l'eau, de payer l'électricité, de payer la nourriture, vous allez d'abord payer la robe parce que vous irez à un mariage. Vous allez d'abord payer la veste parce que vous irez à un mariage. Vous ne payez pas les loyers. Et puis, on vient, on vous coupe les courants. On vous coupe l'eau. Et puis, vous devenez aigri. Vous devenez méchant vers les gens. Ouais, ils sont toujours comme ça. Ils sont déjà méchants, ils n'iront pas au ciel. Non, 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 non. Votre convoitise vous amène à manquer le repos. Vous n'avez pas la paix maintenant. Vous êtes mal à l'aise. À cause de votre convoitise. Mal à l'aise. La convoitise vous amène à être mal à l'aise. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Regardez. Satan, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur. Il nous entraîne, n'est-ce pas, dans des désirs bizarres. Oui, Jean 8, le verset 44. Cherchez ce verset-là. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les désirs. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, est sous l'emprise du malin, sous l'emprise, n'est-ce pas, du diable. La convoitise du monde. Accomplissant les désirs de votre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous montrer deux exemples, je termine par là. Le premier d'abord, c'est dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui a été pris par la convoitise. Géasi, le serviteur, n'est-ce pas, bien-aimé d'Élisée. Élisée a guéri les tout court. Élisée va, par la grâce de Dieu, va guérir le Naaman, le lépreux, les grands soldats, le général de l'armée syrienne. Il propose de faire des dons à Élisée. Élisée refuse. Ok, il est parti. Mais Géasi saisit pas la convoitise, il va suivre. Oh non, donne-moi le bien que tu voulais donner à mon patron. Ah! Oh, ben, oh, je suis très content d'ailleurs. Je voulais à tout prix lui faire du bien. Oh, mais en tout cas, tu as bien fait. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Ah, oh, c'est très bien. C'est très bien. Alléluia. C'est très bien. C'est bien. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Il dit, c'est très bien. Donne-moi. Bien-aimé, va lui donner, n'est-ce pas? Et va lui poser la question par Élisée. Tu étais où? Oh non, j'étais faire un truc. Non, non, non. Mon esprit n'était pas absent. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la plaine d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Bien-aimé, il a manqué, n'est-ce pas, bien-aimé, d'entrer dans le repos. Il n'a pas eu la paix, sa vie. À cause de quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? La convoitise. La malédiction de la lèpre l'a frappé, la convoitise, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit bien, la malédiction de la lèpre, bien-aimé, il a été frappé, bien-aimé dans le Seigneur. La convoitise. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La convoitise. Il a manqué le repos. Frappé par la lèpre, il a manqué le repos. Et en plus, bien-aimé, il a induit, n'est-ce pas, bien-aimé, toute sa progéniture à manquer le repos de Dieu. Tous ceux qui ne sont, n'est-ce pas, venus de sa progéniture, venus dans le Seigneur, étaient venus dans le Seigneur, frappés de la lèpre. Donc, c'était une maladie génétique. À cause de qui? Leur papa, leur grand-père, leur arrière-grand-père, bien-aimé, par sa convoitise, bien-aimé. Il a exposé même sa descendance. À cause de sa convoitise, bien-aimé, il va exposer sa descendance. Bien-aimé, combien n'exposent pas leur famille à cause de leur convoitise?
leurs mauvais désirs, ils exposent leurs enfants dans le Seigneur. Ils vont s'endetter, n'est-ce pas? Et ils vont exposer leurs enfants à cause de leur convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à ne pas nous laisser entraîner par la convoitise. Les désirs immodérés, bien-aimés. Le monde ici nous propose plein de choses. Mais faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Le monde bien, nous propose plein de choses. Et bien, nous devons faire très attention. Deuxième exemple dans le Nouveau Testament, je termine par là. Acte 5, le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, Satan peut nous pousser à la convoitise. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est mort. Ananias est mort. La convoitise de l'argent. L'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. L'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Ananias, bien-aimé dans le Seigneur, il a été, son cœur a été rempli, bien-aimé, par Satan. Satan l'a, bien-aimé, Satan l'a poussé à la convoitise. La convoitise, n'est-ce pas, la convoitise de l'argent. Alléluia. La convoitise, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous préserve. Nous risquons de manquer le repos. Ananias, bien-aimé, n'a pas joui. Je vous assure, bien-aimé. Ananias n'a pas joui de son bien. À cause de quoi, bien-aimé? La convoitise de l'argent. Il n'a pas joui de son bien. Regardez le verset 4. Il n'a pas du tout joui de son bien. Pierre lui dit, mais n'eût été, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et le verset 5 dit, lorsqu'il a entendu ces paroles, bienvenue dans le Seigneur, il est tombé, bienvenue dans le Seigneur, il a expiré. Il est tombé, il est mort. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous les auditeurs. N'est pas entré dans le, bien aimé, n'a pas joui, n'est-ce pas, bien aimé, du repos, le repos, la paix, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Jouir de la vie que Dieu nous donne, bien aimé, dans le Seigneur. Arrête, bien aimé, la convoitise, c'est très dangereux. De t'endetter à gauche, à droite, pour te faire plaisir, les désirs immodérés. T'habiller, et porter ceci, aller en vacances, au point même que tu négliges même, n'est-ce pas, l'essentiel. Tu vas dépenser 5 000 pour aller en vacances, tu vas dire 10 000 pour aller en vacances. Mais en même temps, bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'as pas payé ton loyer. En vacances, là, tu prends même l'argent, n'est-ce pas, de payer pour le loyer. En vacances, tu prends là, tu dévies, n'est-ce pas, pour tes plaisirs, pour tes loisirs. Et tu reviens, n'est-ce pas, le bailleur attend son argent. Tu commences à mentir, tu commences à mentir. J'étais malade, mon grand frère était décédé et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas le repos, tu n'as pas la paix. La convoitise, bien-aimé dans le Seigneur. Ananias, il a menti. L'argent entre ses mains. Il voulait faire aussi comme tout le monde. Ah, je viens déposer au pied des apôtres. Mais lui, la convoitise, n'est-ce pas? Ah. Mais dis, mais attends, autant être clair. Voilà, moi, mon argent, en tout cas, je vais l'utiliser moi-même. Ok, c'est bon. Il va mentir. Il est mort. Prions le Seigneur, bien évidemment. Seigneur, garde de la convoitise. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Que Dieu nous éloigne, n'est-ce pas, bien évidemment, des mauvaises personnes là, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est les ramassis, mais ils ont été entraînés par le ramassis. Faisons attention aux gens, n'est-ce pas, qui nous entourent. Oh,
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les yeux ici voient des choses. Mais fais attention. La convoitise des yeux. Mais faisons très attention. Que Dieu nous aide. Des erreurs qu'on a commises, mais à cause de ces choses-là, la convoitise parfois des erreurs qu'on a commises. Mais nous en sommes parfois des choses qu'on a vécues. Nous autres, ici, on a été parfois sous médiateur de, une médiatrice de dette, bien aimé, qui m'a suivi pendant des années, n'est-ce pas? Des erreurs qu'on a eu à commettre. Non. Nous apprenons, avec le Seigneur, nous apprenons. Nous en sommes parfois des choses que nous vivons. On m'a chassé partout, bien aimé. Je ne savais même pas avoir un assureur. Je suis allé chez les régulateurs, là, ça coûtait trop cher encore. À cause de quoi venir dans le Seigneur? La convoitise. Mais vous me coupez le courant. On a failli vendre les histoires de la maison, bien aimé dans le Seigneur. Surendettement. La convoitise, bien aimé dans le Seigneur. Partir en vacances, vous oubliez, bien aimé dans le Seigneur, que vous avez ceci à payer. Les crédits, bien aimé dans le Seigneur, qui étaient à 1000, les crédits arrivent à 3000. On ne fait qu'augmenter par les huissiers. Vous voulez avoir le plaisir d'aller en vacances, on va aller. Non, faisons attention avec la convoitise. Ce n'est pas parce que les autres vont en vacances, toi aussi, tu dois aller. Non. Fin, disons, moi, je ne pars pas en vacances. En tout cas, j'ai un projet. Je dois d'abord me libérer des dettes. Si Dieu me met maintenant au large, là, je pourrais y aller. J'aurai le repos. Mais je ne peux pas me donner le repos pendant que. Prions le Seigneur. Élevons nos voix. Seigneur, pardonne-nous. Si nous nous sommes laissés entraîner par dans la convoitise, Seigneur, pardonne-nous. Nous ne voulons pas. Alléluia, manquer le repos. Le repos, ce n'est pas d'abord au ciel. C'est ici, bien aimé. Tu dois être en paix. La bénédiction de l'Éternel enrichit la faveur de ton cœur. Tu dois être en paix, bien aimé. En paix avec toi-même, en paix avec ton autre. Être heureux dans la joie, bien aimé, dans le ciel. Tu ne manques de rien. Tu as tout ce qu'il faut, le minimum possible. Et tu te réjouis du minimum que tu as. Que tu aies la maison, que tu sois locataire, mais tu te réjouis du minimum que Dieu te donne. Tu sais payer ton loyer, tu sais payer ton électricité, tu sais payer ton eau, tu sais avoir le peu pour payer, je sais pas, ton manteau, pour mettre tes enfants à l'aise, être dans une bonne école. Tu as le minimum qu'il faut mettre dans le Seigneur. Et tu vis tranquille, tu as la paix, tu ne dois pas à quelqu'un. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Tu ne dois personne. Peut-être un crédit qui est tout à fait normal, peut-être tu obtiens un crédit maison, peut-être tu obtiens un crédit pour avoir une voiture, pour des déplacements, ça peut arriver, c'est normal. Et tu le payes sans problème. Soyons sages. Alléluia. Prenons garde. Prenons garde. Ne nous laissons pas entraîner par le monde, ce que nous voyons autour de nous. Comme les enfants d'Israël se sont laissés entraîner par les ramassis. Vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Seigneur, pardonne. Élevons nos voix vers toi. Implorons la grâce et la miséricorde. Que Dieu nous pardonne. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons pour ta parole et nous te rendons grâce, Éternel, notre Dieu. Nous ne voulons pas manquer le repos. Seigneur, voilà pourquoi c'est vraiment une véritable mise en garde que l'apôtre Paul a donnée autrefois aux Corinthiens. Seigneur, notre Dieu, nous voulons imiter cet exemple-là pour ne pas nous laisser aussi entraîner dans la convoitise. Seigneur, pardonne-nous si jusque-là nous nous sommes laissés entraîner dans la convoitise. Nous demandons pardon, tendre Père. Pardonne, mon frère. Il nous est arrivé peut-être de manquer le repos, de manquer la paix dans notre cœur. Notre conscience a été chargée, tourmentée à cause peut-être de dettes à gauche, à droite, suite à notre mauvais, à la mauvaise gestion. C'est à la convoitise parfois qui nous a entraînés dans l'endettement. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Accorde-nous la sagesse, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous la sagesse, Seigneur notre Dieu, de savoir nous contenter. C'est le contentement, Seigneur. Donne-nous d'avoir le contentement, de nous contenter de ce que tu nous donnes. L'esprit du contentement, Seigneur. Nous prions pour l'esprit du contentement, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu, de nous aider à nous réjouir, n'est-ce pas, du peu que tu nous donnes.
de nous contenter du peu que tu nous donnes. Seigneur, glorifie ton nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, toi, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, pour ici. Seigneur, libère-moi. Délivre-moi de la convoitise, Seigneur. Délivre-moi de toute forme de convoitise. Délivre-moi de toute forme de mauvais désir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Élève-la, commence à prier, n'est-ce pas? Commence à prétendre, Père. Nous allons nous voir vers toi. Nous proclamons ta victoire dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de toute forme de convoitise, au nom puissant de Jésus. Délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre-nous, tendre Père, de toute forme de convoitise, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Tendre Père, je prie pour la délivrance de mon frère, de ma soeur, Seigneur notre Dieu. Délivre-nous de toute forme de mauvais désirs. Délivre-nous de toute forme de convoitise. Au nom puissant de Jésus. Délivre-nous, tendre Père. Délivre-nous, grand roi de l'univers. Que l'honneur, la gloire, la majesté trouvent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour le contentement. Bien-aimé, toi dis, Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit, aide-moi à me contenter. Seigneur, mets à moi l'esprit de contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Il dit, contentez-vous, contentez-vous. Le contentement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions nous contenter. Alléluia. Nous allons, bien-aimé, prier pour l'esprit du contentement. Alléluia. Le contentement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas élever la voix pour le Seigneur notre Dieu. Donne-moi de me contenter. Hébreux 13, le verset 7. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Mais tu vas prier pour l'esprit du contentement. Tu vas dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à me contenter du peu que tu me donnes, à me contenter de ce que tu mets entre mes mains. Saint-Esprit, aide-moi, cher Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à me contenter. Mais l'esprit du contentement, n'est-ce pas? Hébreux 5, 13, le verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Contente-toi de ce que tu as, bien-aimé. Ne te va pas aller prendre les histoires qui coûtent trop cher, qui te dépassent. Bien-aimé, tu vas prier pour l'esprit du contentement. Élevons nos voix. Comment ça fait, bien-aimé, dans le Seigneur? Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous prions, tendre Père, pour le contentement. Saint-Esprit, aide-nous à nous contenter de ce que tu nous donnes, Seigneur. Donne à mon frère, donne à ma soeur, à se contenter du peu que tu mets entre ses mains. Seigneur, donne-moi à me contenter de ce que tu mets dans mes mains. Tendre Père, je prie pour le contentement. Saint-Esprit, aide-moi à me contenter de ce que Dieu met entre mes mains, à me contenter de peu que Dieu me donne, à pouvoir organiser bien ma vie. Alléluia, à vivre dans une discipline personnelle, dans la rigueur et à avoir la foi en Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier, n'est-ce pas, bien pour la discipline personnelle, la rigueur personnelle. Alléluia, Seigneur, donne-moi d'avoir de la discipline personnelle sur notre Dieu, d'avoir de la rigueur personnelle, tendre Père, et de compter sur toi, d'avoir la foi en toi. C'est notre Dieu, alléluia, pour se contenter, il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la rigueur, et il faut marcher par la foi, Seigneur. Tu as dit, tu ne m'abandonneras pas, si tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Je peux te faire confiance parce que cette parole n'est pas d'un homme, c'est une parole qui vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur de pourvoir à tous nos besoins. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons élever le monde. Nous allons bien-aimé prier pour quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas? Nous allons bien-aimé prier pour papa malade à José.
Nous allons venir prier que Dieu le touche dans son corps, au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, venir prions pour Papa Malala José. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous transportons Papa Malala José devant ton trône de la grâce. Nous prions, Tendre Père, que tu le touches dans son corps, dans sa santé, au nom puissant de Jésus. Merci de toucher Papa Malala. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la puissance de la guérison dans le corps de Papa Malala. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de le toucher. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Merci, Tendre Père, de toucher Papa José. Nous te bénissons. Nous te louons, éternel Dieu Tout-Puissant. Pour ton amour et pour ta fidélité. Souviens-toi, tendre Père de papa Florent. Souviens-toi aussi, notre Seigneur, notre Dieu, de notre frère Emmanuel. Tendre Père, merci pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse l'heure sur vous, sa face qui vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. À très bientôt. Au réveil de minuit.